Puis c'est là où mon psy est comme, ben là, dude, tu vas être dans l'accomplissement pratiquement tous les jours. Fait que tout ton ça, psy t'appelle dude, je trouve ça génial. En le disant, j'étais comme, oh, je l'ai mal cité. Quand je me suis entraîné, un moment donné, j'arrêtais pour pisser en vélo, puis disais, tu vas devenir un vrai triathlète quand tu vas être capable de pisser pendant que tu roules. Moi, je m'étais gardé ça pour mes 70 ans, 80 ans. Mettons, PH, dans un an, il veut devenir pro parce qu'il a gagné. C'est ton but? Non, mais non. Je sais pas. C'est pas mon but. Non. Non, parce que moi, j'ai juste souligné que, en tout cas, moi, tu m'as pas posé la question si c'était. C'est correct. La différence, je la connais entre athlète élite puis athlète amateur. Puis le gap ici est pas mal plus grand que le gap ici, là, tu sais. Ça stresse mon directeur de tournée. Je le sens qu'il est nerveux. Comme, il y a beaucoup de dénivelé, puis ça. Puis une journée, il m'en a parlé, puis ça m'a stressé que de le voir stressé. Tu sais, genre, tu sais, les partous que t'es pas forcément invité, mais tu veux t'inviter, tu fais comment je fais pour rester, tu sais. Oui. C'est genre Marino Van Anneker, un des meilleurs triathlètes au monde. Une de ses dernières courses, c'est comme une légende. Puis je suis comme, bon, je vais essayer de laisser mon vélo. Je vais essayer de rester premier Ironman. Puis les gens ont commencé à me dire, tu sais, faut que t'acceptes des fois qu'à un certain âge, de maintenir ton temps. Une victoire. Puis, tu sais, j'avais une espèce d'intervention de, tu sais, j'aimerais ça faire Pentagon Man. Oh, wow. Oui, yo, moi aussi. Ouais. Non, parce que ça, c'est une rencontre avec. Hey, chercher un Airbnb, les boys! Non, c'est déjà la base de tout bon triathlon, c'est de trouver l'Airbnb. Je connais la technique des podcasts, fait qu'il faut commencer à parler dans un micro la seconde qu'on rentre dans. On fait ce qu'on veut. Dans hein, ouais, c'est ça la beauté du podcast. Il n'y en a pas de règles. Tu parles à côté du micro. C'est ça. Puis la beauté du podcast aussi, c'est que tu sais, il n'y a pas un réalisateur qui commence OK dans 5 parce que là, ça fait 4 minutes qu'on roule. Ouais. Puis juste parce que je t'assure que les gens voient que, ouais, quand t'as une gang de même, qu'est-ce que tu fais même en dehors, c'est des caméras, l'autre bordel. Tu parles de ça. Moi, j'avais tellement hâte à ce podcast-là parce que je me dis, c'est pas mal le festival de l'intensité ici. Là. Ça sent l'excessivité ici, là, dans le tapis, pas à peu près. Là, je veux dire. Ouais. Je pense que le gros défi, c'est lequel, entre nous quatre, voir de la misère à rester assis le plus longtemps. Tu sais, c'est comme. Non, moi, j'ai 2h30 de fête à matin. Moi aussi. Pour vrai, assis. Toi aussi? Ouais, c'est pour ça que je suis arrivé serré parce que j'ai essayé de rentrer mon training. C'est toujours pardonnable. En fait, ça, c'est une affaire parce que, tu sais, toi, on peut dire athlète, évidemment. Ouais, mais une différence entre sportif et athlète, j'ai eu cette discussion-là. J'étais dans un restaurant, quelqu'un dit « Est-ce que tu considères que tu es un sportif ou un athlète? » Déjà, de la façon que c'était posé, c'est genre « OK, un piège de mange-marde. OK, je vais aller me permettre. Est-ce que tu considères ça désagréable ou lourd? Hein, » ouais. Mais moi, au fond de moi-même, est-ce que je considère? Non, mais je veux dire, tu sais, je veux dire, athlète ou sportif. Mais c'est l'autre, tu pars, t'as 2h30 de fête, toi aussi. Toi, j'imagine... Je nageais un peu ce matin, mais je vais m'entraîner un peu en venant. Ouais. Exactement. Mais joke à part, moi, c'est rare, je fais ça, ma vie comme hyper tôt. Puis je suis allé nager un matin. Parce que je savais que je m'en venais ici, puis c'était pas de l'ego, de la compétition. Il y a quelque chose que j'aime des gens qui pratiquent les sports qu'on pratique, c'est, man, on s'auto-alimente. Ouais. Il y a une motivation. Tu sais, moi, j'ai toujours dit ça, tu sais, que ce soit marathon, triathlon, peu importe, t'es entouré de gens qui ont juste arrêté d'avoir des estis d'excuses. Mm-hmm. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Fait que là, tu savais que tu t'en venais avec des gars qui s'étaient probablement entraînés ce matin, fait que tu disais là, c'est pas vrai que je vais pas mettre mon cadran pour aller grinder. Ben, en fait, je pensais rester habillé ici, comme j'étais à la piscine, tu sais, avec mon petit cuissard. Tu peux peut-être même faire le podcast avec mon pull, c'est entre les deux jambes, pour tu sais, vraiment. Mais je te jure, le fait, ta gueule, lève-toi, tu sais, parce que oui, j'étais sûr que probablement que des trois qui étaient à côté de moi, tu sais. Puis, tu sais, c'est là où je constate que j'ai un gros été. Puis c'est sûr que je trouve le fun aussi. Moi, je pense que je suis excessif, les gens le savent, mais là, présentement, je suis en bas de l'échelle des excessivités. Je suis en haut de l'échelle du pourcentage de gras. Ça, c'est fucking clair. Ça, c'est déjà bien établi. Mon cash est sur Antoine. C'est inversement proportionnel. Mais j'ai quasiment envie qu'on fasse un tour, évidemment, de ce qui se passe cet été. Toi, c'est quoi? Ben, je pensais finir, mais je peux commencer. Moi, c'est je vais faire 4,70.3, 4 demi-Ironman. J'ai essayé de dire demi-Ironman. Oui, ben en fait, ça a commencé avec 2 parce que là, je vais faire Saint-George où j'avais été un camp d'entraînement l'année passée, puis ça a été un coup de foudre. Ça m'a sorti de ma dépression, Saint-George. Saint-George de Beauce? Utah, oui. Saint-George? Oui, quand t'es déprimé... C'est juste à côté de Saint-Mary's. Exactement. Et c'est une dépression, tu vas à Saint-George et ça gagne. Saint-George de Beauce. Ouais, moi, tu me donnes un look, moi, si je... Je dis pas Saint-Georges de Beauce, je dis Saint-George. Saint-George, c'est... Et je vais... Fait que là, ça, c'est quand? Ça, c'est le 5 mai, c'est le premier. OK.
Après ça, on m'a demandé d'être ambassadeur pour celui de Québec et Montréal. Challenge Cap Québec. Challenge Cap Québec et Montréal aussi. Nice. Et quelqu'un m'avait appelé, une fille qui organise souvent des tournées de camp de vélo en Europe, pour me demander de faire. Elle dit « Hey, je suis en train d'organiser quelque chose à Cachcaille au Portugal, veux-tu venir? » J'ai dit « C'est un signe de vie parce que j'étais là une fois dans ma vie et c'était pour me séparer. » Ah ouais. Fait que là, je m'en vais. T'avais pris un avion pour aller te séparer? Au Portugal. En fait, j'avais été on faire. On est pas obligé de rentrer. Finalement, c'est toi le plus excessif, la gars. Ouais, exactement. Moi, je combine tout. En fait, j'avais été faire. Il y a un de mes amis qui a appelé sa blonde pour pas faire Québec-Montréal. On a dit qu'on en parlait pas. Ouais, mais joke à part, j'avais été faire le 110.3 de Lati. On finissait ça dans un Portugal festival de malade, musique. Lati, ça avait l'air débile. C'est rare que je retourne deux fois au même endroit, mais celui-là, il est sur ma liste. Mm. C'est la Finlande, right? Ouais. Ouais, ça va. C'est à 1h15, 1h30 au nord de Helsinki. Puis c'est ça que j'aime. Puis tout le monde peut témoigner de ce que je vais dire. Tu sais, j'ai vu des paysages. Ben là, je vais y retourner peut-être un jour, mais tu sais, souvent, tu vas voir des paysages que tu ne verras jamais. Ouais. C'est que tu ne voyages pas non seulement physiquement, mais tu voyages dans ta tête. T'sais, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand. Tu sais, j'étais dans le fin fond de la Finlande, là, avec du monde qui m'envoie la main, qui me parle en finlandais, puis tu sais, je réponds en anglais, mais moi, j'ai souvent cette. Je m'imagine c'est quoi leur vie. Faites-vous ça, vous autres? Des fois. Des fois, mais je le fais. J'étais allé en Norvège, puis on est allé aux îles de Lofoten, en haut complètement, puis on est arrivé dans un village de pêcheurs, mettons. Puis là, je me jouais à... Je pourrais-tu acheter une maison ici, puis juste que ce soit ça maintenant? Puis là, j'essayais d'extrapoler de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, juste vivre là, tu sais. Puis ça te sort de ton Québec, là. Non, mais oui, puis c'est de relativiser avec la vie des autres gens aussi. Mmh. Mais là, attends, j'ai commencé avec mes quatre défis. Puis moi, je pense qu'avec mes quatre demi, c'est moi qui ai été le plus tranquille. Je me trompe. Toi, on le sait, Esti, là, c'est... mais je veux juste... Attends un peu. Juste, tu dis que t'aimes pas ça, dire demi-Ironman. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il y a le mot demi qui me gosse. C'est le 70.3. Toi, c'est ça. C'est ça. C'est pas la moitié de quelque chose. C'est une affaire au complet. C'est 70.3. Ouais, c'est cool. J'aime ça. Ouais. Mmh. Non, parce qu'il y a tellement de gars qui étaient faits. Parce que ça arrive toujours à la porte de. Tu fais-tu un Ironman? Non, je fais un demi. Oh, un demi! Tu sais, le gang. De, mais tu sais, ça me gosse. Ouais, parce que tu sais, les gens pensent la première fois que tu entends le fucking gag. Ouais. Tu sais, c'est quoi, là? Ouais. Quelqu'un qui tape sur le même fucking clou humoristique, là. Ouais. Tu peux faire quoi au début, réagir. Là? Je sais plus. Je joue de moins en moins bien. Avant, tu faisais semblant de rire. Avant, tu ris, puis à un moment donné, quand il y a des jokes que tu as trop entendu. Hein. Je le vends de moins en moins bien. Ouais, mais toi, t'as le défaut d'être trop gentil, toi. Moi, je peux me permettre de, tu sais, je dis, hey, ta gueule, hey, vois-tu. C'est vrai que si Jay arrive dans une soirée, puis qu'il y a quelqu'un qui fait une joke, puis tu dis, hey, ta gueule. Ah ouais, non, yo. Le monde, genre, what, quoi? Ah ouais. Hey, Jay, ça va-tu? Ah non, je peux pas faire ça. Ben, en même temps, j'ai l'impression que, tu sais, c'est ça, t'sais, les gens qui sont super gentils, quand ils sont fâchés, tu le sens vite, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment là, d'un un à l'autre, là, genre, OK, c'est assez, tu fais. Même moi, j'aurais peur, tu comprends-tu? Mm-hmm. Ouais. C'est quand même... ouais, c'est ça. Chris J. vient me crier après. Là, tu me sacrerais après, je fais comme « Ah, ouais. Ta gueule. » Il est 9h le matin. C'est comme ça qu'il se réveille. Mais non, mais j'ai quasiment envie de finir par toi, parce que c'est toi qui as le plus gros défi. Toi, je veux dire, moi, à chaque fois que je regarde ta montre, j'ai l'impression que tu as fait ça une journée, ce que je fais une semaine. Ouais, moi, c'est je suis en découverte cet été. Là. Pour vrai? Je suis en découverte de triathlon. C'est la première fois que... Ça va être une machine, je te l'ai déjà dit, mais ça va être une machine. Tu m'étonnes. À suivre, mais je suis vraiment comme, là, cette année, je veux pas mettre de pression, fait que j'ai pas de coach. Je veux éventuellement en avoir un, là, mais là, je veux comme, tu sais, je veux dire, ça fait 25 ans, je suis dans le sport d'endurance, je commence à comprendre comment l'entraînement fonctionne. Mais je sais qu'il y a quand même des trucs spécifiques qui m'échappent, mais là, je veux juste découvrir ce sport-là. Puis, je voudrais m'enligner un ou deux demi 70.3. 70.3, merci. Ouais. C'est pour ça qu'on respecte le protocole du podcast. Appelons ça le PT100. Là. Le PT100, qui est le triathlon de PTO, là, qui est une distance qui ressemble au demi qui ressemble au 70.3. Merci. Excuse-moi. C'est lequel, ça, PT? Là? Ben, dans le fond, c'est le nouveau format. Nouveau brand. Là, c'est PTO, qui est comme une espèce de compétiteur d'Ironman, si on veut. Ah, la compagnie européenne, mais c'est eux autres qui font Montréal puis Québec, c'est non, ça? Non, ça, c'est une autre affaire, ouais. Mais ils sont un peu amis, genre PTO puis Challenge, ouais. Sont comme... Ils sont dans la même équipe, là. Ils sont dans l'équipe de comme arrêter de mettre des billets Ironman à 1500 ouais. Pour l'inscription, là, tu sais. C'est une grosse guerre. Puis bref, eux autres, leur distance, moi, m'intéresse un petit peu plus parce que
c'est un petit peu plus de natation. Fait qu'à place de 1,9, c'est 2 kilos de natation. Fait que moi, évidemment, c'est mieux pour moi. Puis un petit peu moins de vélo, puis un petit peu moins de course. Ah ouais? Fait que c'est 2 kilos, 80, 15, 18, ouais. C'est ça. Fait que je trouve que cette distance-là de 100 km est vraiment cool. T'en as-tu déjà fait ça, Antoine? Non, jamais fait le PTO, mais ça avait juste peut-être 2-3 ans. Ouais, non, ça c'est, existe, là, c'est, la, deux, c'est la première là, ouais. année que le format est clair. Ouais, c'est ça. Et où est-ce qu'il y a un vrai circuit, mettons? Mais ça fait extrêmement longtemps qu'ils veulent ouais. faire une affaire de. Au début, ils appelaient ça une union, là. Puis là, ouais. ça a fait comme. Au début, c'était pour aider les pros. Puis là, ça a comme. Vu que c'est juste à cause du mot union, ça, les gens n'aimaient ouais. pas ça un peu. Fait qu'ils sont on n'aime pas ça, les communistes. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, exact. J'adore ça. Mais c'est pas cette compétition que tu fais, j'imagine, cet été? Non, ben c'est ça. Mais ça, ce serait comme en septembre, il y en a un à Ibiza. Puis ma blonde, comme je disais, comme je te disais avant, est ouais, en Espagne. Fait que j'aimerais ça finir avec le PT100 Ibiza. Ibiza. Ça serait comme mon objectif A de l'été. Puis ouais. entre-temps, j'aimerais ça comme faire peut-être un... Sur l'ecstasy. C'est ça. Hein? Première semaine sur le Pika, deuxième semaine sur la MD. Mais tu vois, la vie, c'est ça. C'est de balancer, les choses. Recovery, la semaine de recovery après ton objectif. Là, tu vas sortir un nouveau Pika. Ouais, là, ça va être un plus. Ouais, avec un plus. Là. Caféine et mystère. Pika, endurance, plus, plus. Exact. Fait toi, que, ouais, c'est Antoine. Ça. Ouais, mais mon plan, mais je suis genre de personne qui est un peu dernière minute, là, j'ai un peu changé d'idée. Au début, je faisais Ironman Texas qui s'en venait, puis j'ai trop attendu, j'étais trop incertain. Puis en fin de compte, je vais faire St. George, moi aussi, le 60.3 de St. George qui s'en vient. Let's go! Le 5 mai! On ouais, est justement, je me cherche un logement si jamais. Attends, là, je vais t'en parler, on est une gang qui va faire un camp d'entraînement de vélo. Ouais, c'est ça. Chercher un Airbnb. Je le mets dans le podcast si jamais quelqu'un. Ben là, c'est fait. Non, mais je vais t'arranger quelque chose. Mais là, en même temps, je suis pas content de passer du temps avec toi. Puis là, c'est comme au départ, je vais te dire bonjour 3 secondes. Puis après ça, ben. Mais écoute, là, t'es-tu dans la catégorie pro? Ouais, c'est ça, mais en fait, une catégorie pro, puis maintenant, c'est vraiment nouveau, mais justement, à cause de PTO, PT100, qui sont vraiment comme augmentés dans leur popularité, Ironman, ils ont. Ce qui est bon, c'est que ça. Ironman. Ils n'ont pas le choix de suivre, ouais. Sinon, ils allaient perdre leur pro. Là, c'est ça, là, ils ont sorti comme le Pro Race Series, puis au total, il faut que tu fasses comme. Mettons, tu as comme une 18. Mettons, 10 à, entre 10 et 20 courses Ironman. Comme les demi, les 60.3 ouais. et les Ironman. On mais dans ça, voir. T'en as genre 8 qui fait partie d'un classement. Puis à la fin de ça, si tu fais des points, t'as comme, si tu fais partie du top 50, là, tu sois comme un genre. Non, c'est plus t'as de l'argent en fin d'année. C'est quand même cool que t'as pas d'argent. C'était pas comme s'il n'y en avait pas en plus, là, Ironman, de l'argent non, à donner au monde. Fait que t'as pas à payer tes inscriptions. Ouais, il faut que tu payes en fait ta licence au début de l'année. De pro. De pro. Puis à cause, c'est tellement populaire, justement, ils ont changé un peu. D'habitude, tu peux t'inscrire quasiment genre très dernière minute. C'est pour ça que je me suis pris un peu dernière minute pour m'inscrire à Ironman Texas, puis je me suis fait un peu prendre. Okay. Mais là, c'est comme, ouais, tu t'inscris, tu peux faire autant de courses que ce que tu veux, qui est quand même cool parce que c'est comme 600$ ou 1000$. Ouais, ben oui, c'est ouais. Puis mettons, c'est quoi la. Faut-tu que tu aies fait. Comme, c'est quoi la coche pour devenir pro, pour qu'ils t'acceptent? Oui, différentes façons, dans le fond. Moi, je viens plus du court distance, comme distance ITU, là, comme dans le fond, ce que tu vois, mettons, aux Jeux olympiques, là, qui sont en peloton, tout ça. Puis avec ça, j'avais besoin d'avoir ma carte de triathlon Canada comme élite pour faire comme des coupes continentales, coupes du monde, des choses comme ça. Fait qu'à partir, vu que j'avais cette carte-là, je pouvais, c'était comme un chiffre. J'ai dit, ah, oh, j'ai cette carte-là, je veux faire un Ironman, puis ça a marché. Mais si tu es comme un, mettons, un PH, là, dans un an, il veut devenir pro parce qu'il a gagné. C'est ton but? Non, mais non. Je sais pas. C'est pas mon but. Non. Non, parce que moi, j'ai juste souligné que, en tout cas, moi, tu m'as pas posé la question si c'était. C'est le même, c'est correct. Mais non, mais parce que je t'écoute parler plus tantôt. Toi, si tu es dans ton plan? Non, c'est juste que moi, dans ma tête, à chaque fois que j'ai la chance de rencontrer des athlètes. C'est ça, parce moi, que. Les athlètes, c'est les personnes. Il y a cette semaine, j'ai croisé par hasard Marie-Philippe Poulin puis Mélodie Daou, des Canadiens de Montréal. Puis j'étais juste comme. Je suis in awe de ces personnes-là. J'admire tellement les athlètes professionnels. C'est tellement de sacrifices puis de discipline. Puis je trouve ça fascinant. Fait que c'est juste pour ça. Puis aussi, je me demandais, mettons, la première fois que tu arrives sur une ligne d'un départ Ironman, mais là, t'es dans la catégorie pro. T'es-tu nerveux? T'es-tu plus nerveux que d'habitude? C'est combien? Je juste parenthèse, mais vite, c'est une bonne question. C'est combien? Vous êtes une cinquantaine, je pense, à peu près à chaque fois? Mais des fois, les distances full Ironman, des fois, on est un peu moins, déjà en, comme 20-30. Mais là, à cause de la popularité, comme la fin de semaine qui s'en vient, il y en a un, Oceanside, sont 80 pro hommes. Ah, ils sont comme 120 total, là, parce que vu que justement, il y a de l'argent à faire maintenant, là, c'est comme tout le monde va faire ça. Mais juste de façon générale, c'est comme 50 max. Là, juste absolument. Mettre une mini parenthèse là, pour pas pour que les gens qui écoutent ils comprennent bien le gap
énorme entre les athlètes pro. Tantôt, on dit, c'est-tu dans tes objectifs? Même si c'était dans mes objectifs, je pense pas que ce soit un objectif réalisable. Je sais pas, tu... Ben, non, non, mais comme la différence, je la connais entre athlète élite puis athlète amateur. Puis le gap ici est pas mal plus grand que le gap ici, là, tu sais. Mais des fois, tu vas être très surpris, tu sais, c'est parce que... Des fois, vu que plus la distance devient longue, des fois, c'est comme tu découvres quelque chose. Mais toi, non, mais comme j'apprécie que tu dises ça, mettons, mais tu sais, je suis assez... sais c'est quoi être un athlète élite, un athlète d'excellence. C'est pas la même chose, là. Tu sais, c'est pas la même chose. Mais genre, t'as-tu déjà coursé contre Lionel Sanders, mettons? Genre, ben oui, ah, moi, mon premier full Ironman, t'étais là avec Lionel, puis t'étais sorti de l'eau en premier, je me souviens. Ouais, mais mon premier demi-pro, j'avais fait à Tremblant. Puis la plupart du temps, ma force, c'est plus la natation, fait que souvent, je sors premier de l'eau. Puis toutes mes courses que j'ai faites contre Lionel Sanders, c'est tout le temps, il me dépasse après comme 40. Là, j'étais comme l'année d'après. 40 au vélo? 40 kilos en vélo. Là, l'année d'après, c'était comme peut-être 60, mais là, j'étais content, genre. Oui! Puis une fois, j'avais clippé une vidéo de la course, puis là, c'était comme Lionel Sanders qui me passe, puis on dirait qu'il me dit quelque chose, je me souviens pas trop, mais j'avais mis la voix de genre hasta luego, baby, genre. Puis là, c'est comme, il dit ça à chaque fois? Non, mais il m'avait juste dit. Non, je sais pas, mais si. À chaque fois qu'il dépasse quelqu'un qui. Ouais, dans ma tête, c'est dans la grosse intimidation. Dans ma tête, quand il dépasse quelqu'un, il fait juste grogner, ce gars. Non, mais de toute façon, je pense que la chose que tu vois le plus souvent de Lionel Sanders, c'est son dos. Parce qu'il était. Mais Jeff, une bonne question. Parce que moi, quand je le fais, j'ai lâché prise sur mes temps. À part cette année, je vais revenir un peu là-dessus parce que moi, on a commencé à me dire que. J'ai commencé à entendre la phrase, tu ralentis, c'est vrai, ça se peut. C'est normal. Tu vieillis un peu. Si je veux défaire ça cette année, on en parlera plus tard, mais j'ai pas de nervosité. Je m'en vais là pour, à la base, de finir m'amuser puis justement envoyer la main à des fermiers finlandais. Mais toi, comme j'ai dit, c'est la ligne de départ. Vous autres, c'est pas la même affaire. Là. C'est quand même assez stressant, mais j'ai l'impression. Quand tu pars longtemps. Là. Mais des fois, c'est pire. Moi, en fait, c'est comme pour les Ironman, je me dis, ce qui me stresse, c'est toutes les affaires que, comme tu sais pas ce qui va arriver. Mettons, tu dives, puis là, tu perds tes goggles, tu as un flat, ça fait de même. Mais là, quand je fais comme des Ironman ou des fois en trail, des ultra, je fais comme. Je pourrais avoir comme trois flats, puis c'est pas spécialement long, tu sais, ou même en course à pied dans les ultra. En trail, t'as le temps de vomir, puis. Tu peux quand même back up, là. Des fois, t'es content de vomir, parce que t'es comme un regain d'énergie. Mais, mais c'est ça, plus c'est court, plus. Moi, j'étais vraiment stressé quand je faisais des sprints olympiques. Puis là, c'est comme chaque milliseconde, tu fais une grosse différence. Ouais. Là, t'as plus une marge de manœuvre, puis tu fais ta propre race, mais c'est toujours stressant, comme. Justement, t'es à côté d'Alistair Brownlee ou quelqu'un comme ça, puis t'es comme, ouh, le gars, il a gagné deux fois les Jeux Olympiques, puis il veut être conçu. Une affaire que je trouve frustrante, par contre, surtout que lorsqu'on parle du sport amateur au Canada puis au Québec, c'est quand on est, si on a de la misère à survivre, si c'était pas des commanditaires, tu sais, puis t'arrives en Europe, il y en a qui sont capables de bien gagner leur vie. Moi, je me souviens, j'avais été faire celui de Majorque, et à l'hôtel, t'avais 6 du top 8, entre autres Vincent, le Français. Vincent Louis et le ça va bien mon affaire, l'Espagnol qui venait de Majorque aussi. Ça va revenir. Anyway, Thierry Gomez? Qui? Pas Thierry, quelque chose Gomez. Avier Gomez? Non. Anyway, Avier. Il s'est entraîné en même temps que nous autres, évidemment. On les regardait, tu sais, comme je dis comme toi et moi, on regarde les joueurs du Canadien puis tout ça. Pis... Et les autres, tu sais, ces gens là-bas, ils sont dans l'armée. Ouais. Ils ont un salaire aussi de militaire. Certains pays font ça, mais tu sais, je veux dire, ils sont payés vraiment juste pour s'entraîner. Fait qu'on encourage, on trouve une façon de financer ton sport que tu n'es pas si. Tu peux t'entraîner la tête libre. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent assez ici. Fait que tu vois-tu la différence justement quand tu rentres dans des événements de ceux qui sont capables de se dédier à ça? Tu le fais pas mal, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est clair, question ou je sais plus. Là. Mais quand même, mais je pense qu'il y a vraiment un gros. T'sais, c'est pas comme mettons un sport professionnel que tu as comme un salaire de base. Ou même en cycliste, ce qui est le fun, c'est que mettons, t'as un domestique, t'sais, comme il va travailler pour le gars qui veut gagner le maillot jaune. Il y a un rôle vraiment important. Même si tu vas peut-être jamais gagner une course dans sa carrière, si le gars de son équipe a gagné la course, il a joué un gros rôle là-dessus. C'est des bons salaires même pour les domestiques. C'est ça, c'est ça, y a un bon salaire de minimal, t'sais, ce qu'on n'a pas en triathlon. C'est justement un peu ce que je pense PTO a essayé de changer un peu. Au moins d'avoir un salaire comme, peut-être comme. Un peu plus de sécurité. Tu sais, je pense qu'ils ont essayé aussi d'avoir des affaires pour les femmes triathlètes pro qui deviennent enceintes. Que là, tu n'as pas de salaire. Tu sais, c'est des choses qu'on ne pense pas, mais que dans d'autres sports, c'est un peu plus avancé. Fait que je pense que tu sais, t'as les 10-20 premiers que là, ils vont vraiment bien gagner leur vie. Puis tu sais, maintenant, avec les courses PTO, justement, ils vont gagner des fois 100 000 $ ou des fois à la fin de l'année, c'est comme par course, 1 million. Le gagnant. Ouais, c'est mais ça. Quand même. C'est quand même moins.
Ben oui. C'est des machines. Mais t'as le reste, tu sais, justement, la course d'Ocean Side. C'est parce que le 21e, il est fort en tabarnak aussi. Puis lui, il fait pas grand-chose, là. Tu sais, ouais, il fait beaucoup d'argent. Puis lui, s'il y a pas de sponsor, puis tu sais, fait que le top end, là, ils ont l'air de bien gagner leur vie. Puis c'est sûrement le cas pour le top qui ont plein de commandites puis qui gagnent des courses. Après ça, top 10 en descendant, je veux dire, tu fasses autre chose sur le site quasiment, là, tu sais. Ouais, mais tu veux pas perdre de l'argent, en fait, dans le fond. Ouais, mettons, Ocean Side, c'est à 80 pros. D'habitude, je pense que pour cette course-là, il y a peut-être les 12 premiers qui font de l'argent. Fait que t'en as vraiment une grosse gang. Faut que tu payes ton billet, ton Airbnb, tes affaires. Avec 5 000 $ dans, de moins, mettons. Toi, mettons, les Olympiques, c'est quelque chose qui se pourrait dans ta vie? Non, avant, je faisais la courte distance, puis c'était comme peut-être mon rêve de jeune. J'ai vu Simon Wilfield gagner les Olympiques. J'étais comme, oh, ça va nice quand même. Puis surtout, moi, mon background, c'était en ski de fond, fait que c'était un sport olympique. J'étais comme, oh, ça a l'air cool. Mais moi, c'est comme, j'ai vraiment pas de speed. Moi, c'est comme, plus c'est lent, plus c'est long, mieux c'est, parce que j'ai vraiment pas la vitesse, surtout en course à pied que le monde a. Il y a bien des femmes qui pensent comme toi. C'est le niveau en ce moment, il est fort. Elle était trop facile, je suis désolé. Avoue, la porte est ouverte, Chris. Il fallait que quelqu'un le fasse, le gag. Inclue-moi pas là-dedans. Ah non, Dieu, tu pensais aussi. Mais silencieusement. Tu l'as juste pas dit, là. Je sais comment tu penses. C'est ça que j'aime de Jay, son côté zen, presque bouddhiste. Non, ça reste à l'intérieur. Moi, je vais dire demi-Iron Man tout le long. Mais là, je veux qu'on arrive à ton exploit, là, je veux dire. Ben, c'est pas fait encore, tu sais. Dans le sens, ben, en tout cas, là, c'est ça. Je veux... Tu veux pas trop te prononcer pour l'instant, parce que... Ben, il est pas fait, tu sais. Je sais pas si c'est plus... Moi, c'est... Je suis un peu comme. Je suis pas du tout comme toi, en fait, Antoine, mais j'aimerais tellement ça. Mais moi, la distance me fait moins peur que la vitesse. J'en ai souvent parlé. Tu sais, comme je vois les temps de pH, puis je suis comme, waouh, je le trouve bon. Puis, tu sais, comme quand il a fait son essai sur 5 km, j'y pense, puis ça me stresse de faire, ah, si, il faut que je sois dans la zone rouge pendant 16, 17, 18 minutes. Ça me stresse tellement. Un demi-Ironman, un 70.3, ça me stresse quasiment. Je lâche prise ici. Ça, c'est bon. Ça me stresse quasiment plus parce que c'est comme si je suis supposé pousser plus. Mm-hmm. Alors t'en as fait combien de tout ça jusqu'à maintenant? Moi, j'ai juste fait le full. C'est tout. J'ai juste fait. T'en as fait combien, toi? Moi, j'ai une quinzaine de. Moi, c'est ma ça, distance préférée. Moi, le full, je vais le refaire un jour. J'aimerais ça faire Pentagon Man. Oh, wow. Oui, yo, moi aussi. Non, parce que ça, c'est une rencontre avec. Hey, chercher un Airbnb, les boys. C'est déjà la base de tout bon triathlon, c'est de trouver l'Airbnb. C'est secondaire. C'est ça, Pentagonie, tu sais, te baigner dans la mer Antarctique à 14 du matin, c'est un détail rendu là. Il y a un soir, l'année passée, j'avais pris 2-3 verres. Je me souviens pas, je revenais d'où. Je reviens à la maison. Je suis pas chaud, là, mais. Tu sais, genre, t'es relax, je check des vidéos, puis je tombe sur la vidéo recap de Patagon Man. Oui! Et là, j'étais comme... Celui que le Québécois Gilles... Non, j'étais juste tombé sur le recap de la course, puis de voir c'est quoi. Puis là, j'étais comme, tabarnan, c'est quoi ça? Puis là, je comprenais pas c'était quoi les distances, fait que j'étais allé sur le site. C'est les mêmes distances, c'est les mêmes distances. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est quand en 2023? Ça, c'est il y a un an. Je check, puis c'était le week-end en décembre où j'avais pas de show. Fait que je me suis inscrit à la loterie. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé, puis j'étais comme, tabarnak, attends, là! D'un coup que je gagne! D'un coup que je gagne! Ouais, parce que ceux qui savent pas, mais je vais juste. Ben vite, pendant que c'est ce qu'on considère un ultra Ironman, c'est les mêmes distances, mais c'est un ultra qu'on dit. C'est comme un Ironman extrême. Extrême, exactement. C'est comme la même distance, mais des conditions différentes. Le Canada Man gagné par Antoine ici. Gagné Canada Man? Parce que Canada Man qui est dans les Norseman, évidemment. Qui est comme championnat du monde de cette série-là, dans le fond. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, t'as même une affaire que je pense que les 15 premiers où, dans un temps, tu peux prendre la marche des dieux. C'est les escaliers qui ont été évidemment construits par des Vikings. Et c'est où tu arrives au. Ouais, ouais. Puis. Ah, le Norseman, tu veux dire. Ouais, exactement. Mais moi, Patagonian Man, ça a été genre. Parce qu'à 14 du matin, il te crisse dans la mer Antarctique. Il fait noir, t'as juste une bouée rouge. C'est malade. C'est ça que tu me disais qu'il faut que tu reviennes. Dans les Andes. Bateau, faut que tu reviennes. Okay, t'as pas le choix. Ouais, puis la course. Mais non, mais c'est de l'ascension, tout le monde. Parce que là, il n'y a pas personne qui va t'arriver. Mais le marathon, c'est une ascension. Chris, c'est une rencontre avec Dieu, je niaise pas. C'est les paysages, la neige éternelle et tout. C'est venu me chercher. Je me dis, moi, à un moment donné, je vais prendre presque une année sabbatique juste pour m'entraîner pour ça. Parce que c'est. Ah, s'il y a quelque chose. Mais c'est ça que j'aime aussi. Comme tu l'as dit, t'es rentré un soir, coupe de bière, puis juste en te promenant,
Mais non, mais c'est tu te réveilles le lendemain puis t'es comme t'es shameful pas de qu'est-ce que t'as fait au bar mais de ton historique de ça recherche. C'est la deuxième fois que je faisais ça, j'avais fait la même chose pour le marathon des Sables. Tu l'as-tu dans la loterie? Non. Non, 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 une hostie de chance. Là. Ça n'a pas de sens, t'es réveillé le lendemain. Fuck, qu'est-ce que le Christ, faut-tu aller au Maroc? Il y en a qui achètent des vêtements quand ils sont sous. À qui j'ai écrit hier soir? Là, tu regardes. Ah non, 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 je me suis inscrit à 12 loteries hier soir. Ça n'a pas d'allure. Mais faut que je mette mon sel dans une boîte quand je bois. Ça n'a pas d'allure. Mais là, tu ne vas pas parler du défi de. Non, mais ça vient parce que tu ne l'as pas encore fait. Je veux pas. Superstition? Non, non, je ne veux pas en parler partout. Au contraire, mais c'est juste, dans le fond, là, moi, je vais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des shows. Puis moi, c'est un peu la même affaire. C'est que les distances me font moins peur que la vitesse. Fait que ce genre de défi-là, je sais que c'est gros. J'ai jamais fait aussi, mettons, 5 jours de bike à 200 km par jour, à 2000 mètres de dénivelé par jour. Fait que il va y avoir quand même beaucoup d'inconnus. Tu pars de Vancouver, c'est ça? Non, je pars de Montréal, je m'en vais jusqu'aux îles de la Madeleine. Des îles, je vais pogner un vol qui va m'amener à Vancouver, puis de Vancouver, je vais revenir. Okay. Fait que, ouais. Ben écoute, ta motivation quand tu pars de Vancouver, c'est... Mec, j'ai avec Calgary jusqu'à Winnipeg, ça va être plein en c'est ça, exact. Non, mais sans niaiser, ça va vraiment être... Vanado. Ben, c'est la raison, on se croise les doigts en esti, là, tu sais. C'est pour ça qu'on le fait de ce bord-là, les vents dominants sont vers l'est. Mais le gros junk, c'est vraiment entre Vancouver et Calgary. Là. C'est la partie que je fais. Ça stresse mon directeur de tournée. je le sens qu'il est nerveux. Il y a beaucoup de dénivelé. Puis il y a une journée, il m'en a parlé. Puis ça m'a stressé que de le voir stressé. Puis le lendemain, j'étais en training camp en Floride. Puis j'ai fait un workout avec genre 1600 mètres de dénivelé de bike. Puis quand je suis revenu, en il a fait. En Floride? Oui, à Clermont. OK. La seule place en Floride où il y a du dénivelé. Puis. Puis, je suis revenu, puis il a fait ah, tu m'as fait un fuck you via Strava, hein, avec ce workout-là. C'est exactement ça. Fait que c'est ça le trip cette année. Je pars le 4. Tu as des journées de congé parce que veux pas, une fois que tu as fait ça, la journée que tu as un show, tu débarques du bike, tu prends une douche, tu te montes sur scène. Non, 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 non. À chaque fois que j'arrive. Encore en Bible. Oui, c'est ça. À chaque fois que j'arrive d'une ville, le lendemain, j'ai une journée off au complet. Puis le surlendemain, c'est le show. Fait que j'ai toujours techniquement 48 heures avant le spectacle. Okay. Mais quand même, tu sais, le fait que je cours des 50 km puis je fais beaucoup de vélo, va falloir que je cours quand même mes journées off des 15-20 minutes, tu sais, pour... Oh, juste garder la machine un peu exact. Fait que fonctionnelle. Ça, pis, c'est ça. T'as-tu du monde qui va aller te rejoindre? Ben, pour rouler, tu veux dire? Ben, tu sais, moi, je vais te... Si j'ai pas d'original Winnipeg, je vais faire un bout avec toi. Tu sais, il y en a qui me l'ont dit, mais... Il n'y a rien de locké encore. Mais moi, ça me trotte dans la tête. T'as-tu un Airbnb? On ferait une tente, donc non. C'est un VR. Le culuc, man. C'est un petit. Hein. On a un beau VR qui va nous suivre. Un bivouac. Ouais, non, mais ça me chicote. C'est genre d'affaire, tu sais, les parties où tu es professionnellement invité, mais tu veux t'inviter, tu fais comment je fais pour rester? Oui. Mais... C'est un de ton projet? Mais moi, c'est là aussi où que tout le monde est le bienvenu en bike. Moi, je suis pas habitué de rouler en bunch. J'ai toujours été habitué à rouler tout seul. Fait que le vélo me stresse un peu plus si j'ai du monde qui m'accompagne. Cela dit, je vais. Puis ben, drafter un peu, ça va faire du bien aussi. Ça va faire du bien, c'est sûr. Puis moi, c'est plus, je pense, évidemment, à la sécurité de tout le monde. Puis juste être sûr qu'on ne se ramasse pas 25 puis on n'a pas le droit. Puis là, je pogne une étiquette. Puis là, tu sais, comme, je veux pas que ça arrive. Là, tu sais, genre. T'es rendu loin dans ta tête, d'où? Ah, d'autres. Parce que c'est un crise de projet que je mène. Tu sais, comme j'ai une équipe avec moi, mais tout le monde se retourne vers moi pour faire comment on fait pour ça. Puis je suis comme, tabarnak. Si on pogne une étiquette. Ce qui arrive. Mais ben, c'est que moi, je peux le payer à 25. Oui, oui, mais c'est parce que moi, ce projet-là me coûte déjà de l'argent, la gang. Faut pas oublier ça, là. À vendre 80 billets à Regina, m'a pas remboursé. Pas, tu fais pas le Saddle Dome quand t'es rendu non, à Calgary, non, non, là. Exact. Là, fait que je l'ai fait pour le trip. Mais cela dit, tu sais, mettons, la journée du retour, c'est le 18 juillet. Puis ça, je prévois partir de chez nous puis courir jusqu'à Montréal. Fait que ça, si jamais vous voulez embarquer, on courra pas vite, mais... Non, non, mais moi, je te dis, je regarde les dates parce que ça fait longtemps, tu sais, moi, j'ai grandi à l'Ouest canadien, fait qu'il y a des coins que j'aimerais se revoir de cette façon-là. Man. Non, non, je te dis, je vais checker, j'aurai pas de gêne. Bienvenue, vous êtes tous les bienvenus. Puis je trouve ça... Moi, quand j'ai dit ça, j'ai fait... Si, bon, tu sais, c'est comme... 50, 200, tu sais, c'est... Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Moi, comme j'ai dit, j'ai levé le pied un peu à m'enlever la pression... Parce qu'à un moment donné, si je battais pas mon temps, que ce soit en course ou en triathlon, si je battais pas le temps de ma dernière compétition, bon, dénivelé, etc., ça joue toujours à l'équation, là. Mais je me souviens de finir les courses et être en tabarnak. Ah ouais, puis être déplaisant pour mon entourage. Puis
Je me suis demandé, j'avais fini le demi-marathon de Montréal pour la fondation du Centre de l'art Cormier, j'avais fait « Chris, t'es en merde, je vais recommencer à sniffer. L'année prochaine, est-ce que je fais ça à la poudre, tabarnak, je vais aller plus vite, est-ce que Chris, je jure, est-ce que... » Mais j'étais en tabarnak, puis là, le directeur est venu me voir, il dit « Bon, on va aller prendre une marche, ce gars, on va te calmer. » Et j'ai fait « Asti de moron, le faire est la joie de... » Mais tu sais, quand t'as un gros exploit, toi, évidemment, tu sais, il faut que tu fasses lever de m'emmener. Toi, t'auras pas le choix de faire ça. Toi, cette année, c'est une année exploratoire, fait que c'est un petit peu moins de pression parce que ce que tu vas faire, ça va déjà être tes meilleurs temps, toi. Mais ouais, c'est ça. Es-tu capable de mettre cette switch-là off de genre « dude, relax, have fun » Moi, c'est comme si c'est ça le travail. C'est ça qui m'a amené dans le sport d'endurance. C'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps avant d'en parler. T'sais, ça faisait comme 2 ans que j'en faisais. Et là, surtout de la course en trail, j'ai pas beaucoup d'expérience encore. Là. Techniquement, c'est ma 2e année de bike, là, techniquement. Mais moi, c'est exactement pour... ça sonne super contradictoire, mais c'est exactement pour me gérer que je fais ça. Fait que moi, mes objectifs, c'est de compléter mes courses puis d'avoir du plaisir. Puis, tu sais, mettons, la tournée canadienne, moi, je me prépare mentalement à ce que je me disais, même s'il n'y a personne à l'arrivée, je veux être fier de moi. Je veux, moi, avoir trippé. Fait qu'après ça, s'il y a du monde, tant mieux. Mais je veux pas avoir d'attente de comme « Asti, la vélo complet va être là, puis je suis un héros. » Comme, non, non, non. Moi, s'il y a personne... Ben, moi, je pense que la mairesse va avoir une banderole rouge pour t'accueillir. Yo, peut-être, non, en fait, la mairesse va surtout s'excuser pour l'état des routes que tu as dû avoir traversé pour te rendre. Ça. Moi, je lâcherais pas ce type de glace, là. Mais non, mais joke à part, c'est... Tu sais, justement, faut falloir que t'en profites, man. Ouais. Mais en puis... Genre, c'est super niaiseux, mais j'en parle avec mon psy. Parce que. Ben, c'est pas niaiseux, pas en doute. Moi, je suis comme quelqu'un, quand même, qui a de la difficulté à être fier de moi. Je suis quelqu'un aussi qui, rapidement, dès que j'accomplis quelque chose, je veux vite. Je veux pas trop qu'on en parle. C'est comme si je veux faire ah, ouais, merci, mais ah, on passe à autre chose. Là, pis, c'est comme si j'ai de la misère. Là, on ouvre une astuce de porte, ça serait quasiment un autre podcast, mais prends-tu toi le temps de l'apprécier? Non, c'est ça. Puis c'est là où mon psy est comme ben là, dude, tu vas être dans l'accomplissement pratiquement tous les jours. Il va falloir que tu touches à cette affaire-là, à ces émotions-là, puis il va falloir que tu le reçoives, puis que tu sois fier de toi, puis que tu laisses les gens aussi être fier de toi, puis te l'offrir, tu sais. Fait que tout ton psy t'appelle d'où, tu trouves ça génial. En le disant, j'étais comme, oh, je l'ai mal cité. Citation libre. Mais tu sais, avec son ton professionnel, en fait, ce que je pense, d'où. C'est vraiment... Toi, PH, évidemment, tu sais, tout ce que tu fais. T'sais... Moi, c'est le contraire de Jay, on dirait, parce que moi, c'est tellement une affaire de. Tu sais, j'ai laissé aller la natation, ça fait longtemps, parce que j'étais quand même à un niveau vraiment élevé, puis je retournerai jamais là, peu importe combien de temps je m'entraîne aujourd'hui. Là. Mais tout ce qui est course puis vélo, c'est tellement nouveau encore dans mon histoire de sportif que... Un syndrome un peu nouveau jouet, là. Je peux encore m'améliorer beaucoup, puis je le sais. Tu sais, je vois là, tu sais, encore des améliorations drastiques quasiment à tous les jours, surtout sur le vélo. Là, sur le vélo, à chaque jour, je suis vraiment meilleur que j'étais la veille. Puis je le sens encore beaucoup. La course, même chose. Fait que je pense que j'ai encore vraiment de l'amélioration en termes de vitesse à aller chercher. Puis moi, la vitesse, ça me fait vraiment triper. C'est ça que j'aime, genre. J'aime pousser des watts. J'aime faire des intervalles intenses. J'aime cette vitesse-là. Puis c'est ça, un peu, ma quête dans le truc, tu sais. Puis exactement, on en a parlé souvent, Jay. Puis moi, au contraire de Jay, moi, finir une course, ça m'intéresse pas tant que ça. Si c'est pour la marcher, mettons. C'est pour ça que j'ai beaucoup de DNF là, dans ma carrière de ultra trail, par exemple. C'est qu'à m'amener, je m'entraîne pas pour marcher pendant 40 kilos quand ça casse ou quand je mange. Quand ça casse, t'arrêtes, toi? Ouais, quand ça casse, moi, je fais c'est pas pour ça que je suis ici. Je vais pas me faire chier pendant 12 heures encore. C'est fini, tu sais. Non, la suite de phrase, l'important, c'est de participer. Moi, ça m'a jamais intéressé. Honnêtement, ça m'a jamais. Non, c'est vrai. J'aime ça. Puis je sais que c'est pas. Ça. Je sais que c'est pas quelque chose que. Qui quel est... discours à dire à tout le monde? Je sais que c'est pas populaire. C'est pas là pour gagner des colis, c'est-tu? Non, mais c'est vrai. Ça paraît tellement qu'on n'est pas père encore. C'est non, mais que... non, c'est peut-être. Non. Peut-être. Mais bon, non, c'est vrai, t'as raison. Participer. Non, mais pour toi, c'est correct. Parce je pense. Que pour moi, je le sais, je me connais. Tu sais, mettons, j'ai rien à me prouver à moi en termes d'être capable de finir une distance. J'ai pas besoin de me prouver ça à moi. Puis ce que je veux, c'est. Performer à la hauteur du temps que je mets dans mon entraînement. Puis c'est ça un peu ma quête à moi. Fait que c'est pour ça que. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas peur de DNF. C'est pour ça que j'ai pas peur de partir trop vite. Moi, c'est une crainte que j'ai DNF. Ah ouais? Je n'ai jamais eu jusqu'à date. Puis j'ai pas fini non plus. Même le plus tough que j'ai fait le 70.3, Lanzarote. Ouais, 7h30. Tabarnak, ça m'a pété mentalement, mais. Mais t'as fini.
Ouais, puis j'ai pas trop marché, tu sais, mais parce que moi j'haïs ça que j'entends du monde dire, je connais, tu sais, l'année que j'ai fait le full dans un club, dans mon club, j'entendais du monde dire oh là, j'ai botché un peu sur mon entraînement de course, mais au pire je vais le marcher. Ça venait me chercher. C'est parce que c'est plate à dire, mais tu sais, c'est sûr, mettons, sur les 42 km, t'en as marché 25. Dans ma tête, t'as pas fait un fucking Ironman. Je m'excuse, ben, c'est mon opinion. À moins que t'aies vraiment bunké, puis tu sais. Moi, je pense que ça dépend. Tu sais, Antoine, toi, je sais que t'as eu des bons bunks sur des full Ironman. De commerce. Non, mais c'est vrai. J'ai profité à ce moment-là pour rappeler Antoine des mauvais souvenirs. Non, mais des bons bunks, ou est-ce que là, en est, t'as comme pas vraiment, tu sais, le choix. Tu sais, comment tu dirais que ça, toi? Mais mon premier Ironman, j'ai vu des étoiles, puis j'ai fini en ambulance. Mais c'était une ambulance à quatre roues, Ça enlève la pression pour le deuxième. C'est comprends-tu? C'est une façon de. T'as-tu fini la course au moins ou ils t'ont arrêté à. Ah, ils m'ont arrêté, Okay, c'est sur le train du Nord. Ouais, non. Ah, c'était à Tremblant? À Tremblant, ouais. Premier demi. Premier full, puis. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tu l'as-tu su? Je veux dire. Mais en fait, c'était comme. Mais après, j'ai fait plein de tests, genre des ECG, à l'effort, des affaires de même, puis. Ouais, on sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est un peu justement, moi aussi, j'essaie de. Je pars tout le temps trop vite, puis c'est un peu un. C'est ce qui est bon, puis pas bon, c'est justement, vu que je suis meilleur en natation, souvent je sors avec les meilleurs cyclistes. T'essaies de biker qu'eux autres. Puis là, lui, c'était comme un. C'était genre Marino Van Anneke, un des meilleurs triathlètes au monde, puis une de ses dernières courses, c'est comme une légende, puis je suis comme, bon, je vais essayer de laisser mon vélo. J'essaie de rester avec. Premier Ironman, puis trop aller vite, manquer de bouffe. J'étais c'est comme, moi, j'ai juste doublé la quantité de gel que je prenais. Fait que j'ai juste pris des gels pour mon Ironman. Puis après un tour, j'étais plus capable d'absorber les gels. Mais j'étais comme, moi, je vais essayer de continuer. Puis après ça. Ouais, juste, c'est juste un bunk, là, clair. T'sais, non, c'est ça, un gros trop bunk, intense, gros bunk, pas assez de nutrition, un gros bunk. Là. Ouais. Puis des fois, j'ai une gel. Dans le chaleur en plus, sûrement. C'est une fois en Guadeloupe, ça, c'était coup de chaleur. J'ai mis ma tête dans l'eau. Puis c'est le fait de comme partir de debout à. Couché pour mettre la tête dans l'eau, je fais une chute de pression, puis le fait juste pendant que tu courais, tu faisais de faire ça? Ouais, après un tour, je pense, puis là, le gars, il était comme, il pensait que j'allais comme. C'est vraiment santé, vomir, les sports d'entraînement. Avaler mon nez, quelque chose de même. C'est bon pour la santé. Ouais, non, il y a une couple de ça, c'est comme, soit ça va vraiment bien aller, ou souvent, je vais me retrouver en ambulance, quelque chose de même. Mais tu parlais de partir trop vite, puis c'est juste pourquoi j'ai regardé. Toi, l'année passée, quand t'as fait ton full, c'est quelque chose qui a fallu que tu fasses attention, parce que t'as l'air un peu fougueux. Toi, t'as l'air capable d'être bien calibré. Non, moi, je pars souvent. PH est quick, là. Ah ouais? Vite, ouais. Je pars souvent vite, puis ma théorie, c'est, puis c'est pas une bonne théorie, puis j'encourage personne à y aller comme ça, mais c'est parce que c'était la mentalité. Je vais juste prendre un petit step back. En natation, c'était ma mentalité. Souvent, tu sais, un 50 crawl, fait que une longueur aux Olympiques, là, ceux que le monde voit, là, tu sais, le splash and dash qui s'appelle, le monde pense que la personne qui gagne, c'est la personne qui accélère à la fin, mais c'est pas ce thinking-là, c'est la personne qui décélère le moins. Parce que tout le monde dans le premier 15 mètres va à son top speed. Puis là, la personne qui arrive à la fin en premier, c'est la personne qui décélère le moins par son 50 mètres. Fait que moi, c'est cette mentalité-là que j'ai un peu amené dans le sport d'endurance. De « OK, je vais partir à mon pace. » Puis le pace que je crois que je suis capable de tenir, le pace de mon objectif. Puis si le dernier 7 kilos de mon marathon, c'est un passage en enfer, ben ce sera un passage en enfer. Ben, puis c'est je le parce vis, que... puis je l'assume, puis pendant 30 minutes, je me pisse dessus, puis c'est un passage en enfer. Ça, c'est juste une drôle de parenthèse, parce que, tu sais, quand je me suis entraîné, à un moment donné, j'arrêtais pour pisser en vélo, puis disais, tu vas devenir un vrai triathlète quand tu vas être capable de pisser pendant que tu roules. Oui. Moi, je m'étais gardé ça pour mes 70 ans, 80 ans, pisser dessus pendant que je roule. Non, ça a l'air qu'il faut que... Mais parce que je veux revenir, parce que tu ouvres une porte intéressante, je vais venir sur l'aspect mental de la douleur. Moi, c'est ma faiblesse un peu. Mais je vais revenir sur, parce que oui, tu sais, on disait tantôt, tu sors, t'es souvent le premier qui sort de l'eau. Puis, justement, après ça, tu disais, l'Arnold Sanders va te rattraper, mettons, au vélo, peu importe, tu sais. C'est-tu quelque chose que tu... Au point de vue stratégie ou même mentalité, t'as dit, Chris, il faudrait peut-être que je me reprogramme d'une autre façon, ou c'est genre, non, voici qui je suis, comment je le fais, puis that's it. Mais oui, puis non, mais je pense que, comme justement, l'année passée, j'ai eu une de mes meilleures courses à Ironman Lac Placide parce que j'ai eu une mauvaise natation. Je suis sorti comme... Il y avait un gars, premier, j'étais comme deuxième, mais il y avait du monde, même à sortir de l'eau, puis il y avait du monde que je connaissais. J'étais comme, oh shit, je sors avec lui. J'étais comme découragé. Puis j'étais comme, dans un sens, c'est peut-être bon parce que, au lieu de me faire. Oui, je vais me faire dépasser par eux, fait dans la carrière, j'ai bien aimé commencer le vélo avec eux, puis rouler avec eux. Puis c'est la fois que, comme, j'ai eu un de mes meilleurs vélos, ma meilleure course à pied à vie. Fait que des fois, c'était comme. T'avais-tu lâché prise? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais pendant la natation, je savais que le gars était parti. Puis là, j'étais comme, je veux juste nager à mon propre rythme. Ça sert à rien de comme. Je pense au début, c'était comme quand j'étais plus jeune, en... puis première course pro, j'étais comme, oh, j'étais content. C'était une fierté de finir premier de l'eau. Mais en tant que tel, ça sert. Tu t'en fous de finir premier de l'eau si tu overswim, tout ça. Fait que là, j'étais comme, ma priorité, c'est vraiment le temps overall, puis ma position. Puis j'ai comme lâché prise justement de ça. Puis même en vélo, en fait, une fois, j'ai eu un vraiment gros down d'énergie. Puis là, j'étais comme, bah, je vais le finir. Puis à la fin, il restait 30 kilos. Puis j'ai dépassé comme genre 6 ou 8 personnes en vélo. Puis là, ça allait vraiment bien. Fait que des fois, c'est des courses que comme tu penses que ça va être la pire course de ta vie. Là, tu lâches prise, t'enlèves toutes tes, tes attentes. OK, ça va bien aller. Puis là, après... c'est l'une des premières fois que, comme, au lieu de me faire dépasser, parce que j'ai l'habitude de me faire dépasser, j'ai dépassé du monde. Ça, ça mentalement, c'est fun. Même, ouais. Parce qu'à la place de faire, ça doit aller mal en tabarnak parce que tout le monde me dépasse, t'es comme, hey, ça doit aller bien en crise parce que je dépasse tout le monde. C'est comme, mettons, chez les femmes, en ce moment, la meilleure au monde, c'est Lucy Charles. Elle, c'est la meilleure nageuse au monde. Mais ce qui est, elle n'a pas le choix de tout le temps être première, dans le fond, tu sais. Fait que dès qu'elle se fait dépasser, c'est qu'elle ne va pas finir première. Fait que c'est quand même tough mentalement, mais tandis qu'une autre, c'est Anna Hogg. Elle, elle nage vraiment moins bien, mais elle, elle court extrêmement vite. Comme je pense, l'année passée, elle s'est jamais fait dépasser en course à pied. Elle fait juste dépasser du monde. Fait que des fois, elle va dépasser 20 personnes durant le marathon. C'est, mentalement, ça va être le fun. C'est, bon, c'est comme, t'as tout le temps des petits lapins à aller chercher, tu sais. Mais c'est vrai que lâcher prise, parce que vous parlez, tu parlais de partir vite aussi, tout ça. Puis moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai fait le marathon de Paris. J'étais plus ou moins préparé. C'était un bel, bel événement. Là, 50 000, beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. Mais je me dis, ah, belle façon de revisiter Paris. T'sais, pis, et je regarde mon temps après 5 km. Je fais, ah, c'est-tu d'épais? Vraiment? Tu sais, t'en as 42. Là, je suis parti plus vite qu'un pace de demi-marathon. Ouais. 10e kilomètre, même affaire. Je fais, OK, tu continues à être un esti d'épais, fait que bravo. Mais là, Mané, tu fais, ah, mais en même temps. Non, mais tu sais, il faut savoir comment se parler de façon positive pendant ces événements-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ah, Chris, il y a du gaz. On va voir. On va à tank. Puis, tu sais, le but de toute marathonien, en tout cas, pour du monde comme moi, là, tu sais, vous autres, c'est facile, mais tu sais, je vais le faire en bas de 4 heures. Ça a été 4h03. J'ai pété au 38e kilomètre. Mais le lâcher prise. Ben oui. A tellement. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait, amuse-toi à vider la tank. Yes. T'es à Paris, man. Ça a été bien plus bénéfique de faire ça de même que de le faire sous une espèce de focus. Si tu me juges, ah, lui, il vient de me dépasser. Tu sais, dans ton cas, c'est des pros. Moi, des fois, tu sais, tu. Il y a quelque chose de beau et des fois confrontant, parce que je peux pas croire que cette personne-là m'a dépassé parce qu'elle n'a pas d'air à quelqu'un qui pourrait te dépasser. C'est la façon la plus polie que je peux le dire. Ouais, ouais. On comprend. Moi, mais... tu vois, j'essaie de. Encore une fois, j'essaie de me détacher de tout le monde. L'Ironman, il y avait aussi cette affaire-là de comme, c'est pas vrai que je vais compléter un Ironman puis je vais être déçu. Fait que moi, j'étais comme, les autres, ils ont rien à voir. Eux autres, ils vivent leur journée, moi, je vis la mienne. J'essaie juste. Je me disais aussi, je voulais juste leur donner de l'énergie puis en recevoir. En échange. Fait que dans ma tête, c'était pas une affaire de dépassement, puis de. Il me dépasse. C'était juste moi, c'est quoi ma journée à moi, c'est mon affaire à moi. Puis je suis mon pire ennemi, puis mon meilleur ami. Puis les autres peuvent juste. Fait que j'essaie de me concentrer là-dessus pour justement faire. Hey, je suis un athlète amateur, man. Tu me niaises, là, genre. Je les connais pas, puis je sais pas ce qu'ils font, puis je veux pas tomber dans ce loop-là parce que c'est là que je vais devenir triste, puis que j'aurai pas de fun. T'sais, je veux pas rentrer là-dedans de comme hostie là. Pis c'est pour ça, moi j'ai fait un Ironman, puis je sais pas si je vais en faire un autre vite. Parce que c'est comme ah, il est fait. Mais à la seconde où je l'ai fini, j'ai failli m'inscrire au marathon de Montréal pour voir combien de temps je pouvais faire sur le marathon. Puis là, j'étais comme. Ouais. Tu comprends? Puis c'est là où j'ai fait OK, attention. Tu sais qu'il y a ça qui te guette, là. Il y a ça qui est pas loin derrière la porte. Fait, coucou. Mais ce qui me guette le plus, je pense que l'affaire qui m'attire le plus, c'est plus faire genre un 160 km en trail. T'sais, c'est plus ce genre d'affaire-là de faire ah, franchir la barre du 24 heures, là, moi, me rendre dans cette zone-là. Tu l'as-tu déjà fait, Antoine? Non, le plus long que j'ai fait, c'est un 100, j'ai fait un 100 kilos à Black Canyon en Arizona, mais c'était plus un. Comme mais tu parlais d'un marché pendant 40 aussi? Kilos, mais j'avais marché 50 kilos quasiment. Ouais. T'as déjà fait l'UTHC vrai? Oui, j'avais fait l'UTHC 80, ouais. 80, ok, je pensais que t'avais fait le 125. Non, jamais fait. Une couple de fois, je me suis inscrit. Mais là, t'étais inscrit cette année, je t'avais vu sur la ligne de, sur l'alignement partant, mais tu l'as pas fait. Non, mais souvent, c'est. Pour ça que je voulais le faire cette année, un ultra. À coup de 400$ d'inscription, là. C'est cool de s'inscrire puis de canceller. Après. Mais il m'avait offert l'inscription okay, moi. Okay, okay. Non, là, mais... On parle encore de. Harry Cannon. À Charlevoix, pas celui à Mont-Saint-Pierre. Là. Ouais, Charlevoix, ouais, c'est ça. Okay. Mais c'est ça que je trouve ça le fun des ultras de trail. Où c'est un peu la même chose, mettons, les triathlons extrêmes comme Canadomen, Patagomen. C'est que, surtout quand on a fait longtemps, là, soit des marathons, des Ironman, c'est que là, tu penses plus du tout au temps. Là. Dans le fond, là, c'est juste.
t'as une montagne à monter. Ouais. Fait que tu t'en fous de ton pace de course à pied. Fait que vraiment, ça fait comme genre un déclic de, d'arrêter de penser de performance. Puis c'est quand même, c'est de la performance, mais c'est juste quand tu, ou quand tu cours dans la grosse boue, c'est que tu checkes pas ton pace. Ouais. C'est juste... T'en as-tu fait des ultras un peu en trail? Non. En fait, j'étais supposé de faire Mont-Saint-Pierre pour les crinquer l'émission de Dominique Alpin l'année passée. Puis, première fois de ma vie, ben, une blessure, fascite plantaire, crise de nom de marde. On peut-tu brainstormer quelque chose d'autre? On dirait qu'un MTS de pied qui existe, tu sais. Mais, ah non, moi, ça m'a. Mais c'est la première fois que. Ouais, ouais, non, mais sérieux, ça. Rajoute le mot fracture, déchirure, si, tu sais, c'est comme Chris. J'ai l'impression que si tu couches avec quelqu'un qui a une fâchée, t'as pogne. Excuse-moi, j'aurais dû garder mes bas. mais je voulais le faire parce que moi, j'ai commencé à apprécier l'entraînement en trail parce que je trouve qu'un 10 km en trail passe plus vite qu'un 10 km sur la route parce que j'ai jamais couru en trail sans. Pour moi, une bonne course de trail, tu reviens et t'es égratigné de quelque part. Ouais. Faut que tu t'en fasses au moins une fois dans une racine, une roche que t'as pas vue. Puis c'est ça que j'aime. C'est d'avoir la tête à terre, ça me fait penser, tu sais, faut que tu te concentres. C'est fou comment. Moi, ça me fait triper bien raide. Puis c'est là où, tu sais, l'année passée, j'ai fait le full Ironman, puis j'ai fait le 80 au Bromont Ultra. On l'a fait en même temps, PH, puis moi. Puis tout le monde était comme, ah, mais t'as fait un full Ironman, ça doit être, ça va être chill c'est le 80. Puis j'étais comme, ça me stresse quasiment plus parce que je peux me virer une cheville au deuxième kilomètre. Je suis tombé au sixième peut-être. Comme tu viens ça, là, plutôt que ça, tu viens de partir. Tu t'es pété le coude. Pété le coude? Ouais, on descendait, on était ensemble. Au début, on a fait les 3-4 premiers kilos ensemble. Puis là, on fait notre première descente ensemble. Là, il pleuvait à Sio. Là. Au départ, il pleuvait à Sio. C'est 3h30 du matin, là, lampe frontale, il mouille. Tu commences à 3h? On commençait à 3h30 l'année passée. Oh, à la pluie torrentielle. Puis il y avait un pont en bois. Mais tu sais, le bois mouillé, ça glisse. Là, puis dans une courbe. Fait que là, moi, je suis en train de m'arranger quelque chose sur ma petite veste. Moi, je ralentis, je pogne le pont, je fais hey, « Jay, il y a un pont, il y a du bois. » Puis là, j'entends « Ah! Ah, mon coude! » Là, il continue, je fais « Jay, ça va? » Ouais, ouais, là, je me suis juste pété le coude. Mais c'est souvent l'orgueil. T'as-tu fait ce que tout le monde fait en tombant? T'as regardé s'il y avait du monde autour, voir si c'était quelqu'un que t'avais vu? Non, je pense, tu sais, genre, j'ai, on dirait que j'ai rebondi. Tu t'es relevé tout de suite. Oh, tu sais, quand tu te relèves tout de suite, t'es juste comme. Là, t'as juste réalisé que ton coude allait. Le pire, c'est que c'était la hanche. Le lendemain, la place où j'étais le plus raqué, c'était la fesse du côté où j'étais tombé. Mais. Puis pas longtemps après, on s'est perdu de vue. Puis moi, j'étais là, hey man, j'espère qu'il s'est pas comme cassé le coude en tombant, puis qu'il était obligé d'arrêter au ravito parce qu'il s'est cassé. Ouais, cassé le coude pendant une course. Non, mais si tu te casses le coude à amener, c'était mal. Là. Quand tu dis que tu veux revenir dans la vitesse, c'est quoi tes objectifs cette année? En fait, c'est pas la vitesse, mais en fait, je vais finir sur de Pat Godin. C'est une anecdote très drôle. À un moment donné, il y avait des. Je pense que c'était en France, une affaire de fou, de, je pense 160 ou 200 kilomètres. UTMB? J'ai plus du nom. Puis il avait dormi genre 18 heures en 3 jours. Puis il avait dit j'aurais, j'oublierai jamais sa phrase. J'aurais fini plus vite si j'avais moins dormi. Mais à un moment donné, pendant la nuit, imaginez qu'il y avait. Je me souviens plus quel personnage de Walt Disney, c'était Goofy ou quelque chose. Son ombre. Goofy! C'était Goofy qui parlait pendant que. Hey, même sur le moche, man, j'ai jamais eu ça, Chris. J'ai lu le livre de Sébastien Sasseville, qui est un. C'est pas avec lui que t'allais t'entraîner en Floride? Exact, oui. Puis j'ai lu son livre Esprit d'équipe où il parle de sa Race Across America, qui est une course de bike où tu traverses les États-Unis. Il l'a fait en 12 jours. Puis au 9e jour, il raconte... J'ai ri en le lisant. Mais c'est pas drôle, mais j'ai ri fort. Il y a un petit paragraphe où il raconte. Il dit, cette journée-là, j'étais tellement rendu loin dans la fatigue. J'étais convaincu que j'étais en train de faire une randonnée à vélo avec des amis. Et j'arrêtais pas de me demander, il était où? Ses amis? Hey, j'ai perdu mes amis, man. C'est vraiment comme quand tu vas trop loin dans une drogue, mettons, dans des edibles, là, que là, à un moment donné, tu commences à halluciner des affaires, tu fais comme « Chris, ils sont où mes amis? » « Ah non, c'est vrai, je suis seul chez nous. » »« Ah non, ils sont où mes amis? »« Ah non, je suis seul chez nous, même pas. » C'est très long. Mais tu vois, pour répondre à ta question, on parlait des temps, la pression, puis tu sais, comme, tu sais, moi, je pense que tu sais, de lâcher prise, puis tu sais, mais l'année passée, pour la première fois, j'avais entendu dire, faut dire que j'étais arrivé à Lanzarote, qui, ça, c'est une anecdote, je savais pas que c'était le plus tough au monde. Je l'ai su quand j'étais allé chercher mon dossard. Parce qu'on a fait un camp d'entraînement sur l'île pendant la semaine. Puis là, on allait chercher le dossard. C'était marqué Lanzarote, the world's toughest Ironman. Je pense que je t'avais raconté ça. Oui. Puis je dis aux autres, j'ai dit que tabarnak, ils se prennent pas pour de la merde. Puis eux, un silence. Puis moi, on a fait, ben, c'est parce que c'est le plus tough. Puis moi, tu sais, un demi qui est tough, je le dis demi, j'ai craqué. Ça me prend 6h30 peut-être, tu sais.
Ça a pris 7h36. Là, écoute, toute ta bouffe change, ton hydratation, ton mental, je m'étais jamais rendu là. Une heure de plus, là, ça paraît, là. Ben, Chris. En pourcentage, beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai vécu tough, puis c'est pour ça que j'ai été m'entraîner en Utah avec la gang de Capital Triathlon de Québec. Puis sérieusement, l'Utah m'a fait beaucoup de bien pour bien des raisons. Je rentrerai dans les détails à un moment donné, mais comme je dis, j'étais en fin de dépression, de mauvaise passe de vie, puis l'ambiance des gens m'a vraiment fait hein. Puis les gens ont commencé à me dire, tu sais, il faut que tu acceptes des fois qu'à un certain âge, de maintenir ton temps, c'est une victoire. Puis tu sais, j'avais une espèce d'intervention de, tu sais, puis là, j'ai fait, non, c'est pas vrai, on va commencer à me parler de ça. Mec, j'ai 54, mec, ça commence par un 6. Mm-hmm. Fait que là, j'en fais 4. Je sais qu'à Saint-George, je ne battrai pas mon temps. J'espère le faire en bas de 6h30 parce que... C'est hilly un peu. De toute façon, je vais drafter derrière Antoine, je vais être correct. Mais Québec, Montréal, mon but, c'est de faire un 70.3 en bas de 6h. Puis après ça, je lâche prise, dit-il. Mais je veux... Dit-il, c'est ça. Dit-il. Non, mais c'est pas le fun d'entendre cette phrase-là. Puis tu sais, je veux dire, j'ai crispé. 54 ans, je suis en forme. Tu n'as jamais été aussi en forme de toute ta vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben oui. Mais là, ce que je trouve le fun, c'est là, dans mes entraînements, parce que mon pic, moi, c'était 2019, l'année que j'ai fait le full, et là, je retrouve mes temps d'entraînement. Ouais. Puis je vais me servir de ça pour vous poser une question, parce que là, ma lutte n'est pas physique, mais là, tu arrives à un temps de l'année où je t'ai carré de sniffer du chlore puis de m'entraîner en piscine. Je suis allé de mon calice de Zwift. Puis même l'autre fois, j'avais 2h30 à faire sur le Zwift, puis j'ai arrêté à 1h50, pas parce que l'entraînement, parce que c'était du steady. Ici, ça suivait plus. Vos conseils pour n'importe qui écoute, puis le clown surtout aussi, man, parce que t'arrives à un stade où c'est l'entraînement mental est quasiment plus important que l'entraînement physique. Ouais. Ben, je sais pas, Antoine, t'as plus d'expérience peut-être, je sais pas. Mais c'est juste, le truc, c'est si tu peux aller en Floride ou quelque chose comme ça, en entraînement, c'est l'idéal, je dirais. L'idée, ça, c'est... quitter le Québec, dans le fond. C'est la solution. Ouais. Je me donne à quelque chose de philosophique, ici. Là, je vois pas des conseils de TripAdvisor, aussi, Chris. Non, mais moi, tu vois... Je suis encore en train de se trouver un Airbnb à quelque part. Moi, je pense, mettons, si j'applique... Encore une fois, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais si je prends ce qui fonctionne pour moi... Vient un moment où j'essaie d'être surtout connecté à est-ce que là j'ai besoin, est-ce que je suis tanné de courir ou je suis tanné de courir tout seul? Est-ce que je suis tanné de courir dans la neige? Peut-être que courir sur le tapis roulant, ça va me faire du bien. Changer de musique, écouter rien, écouter de la musique classique, écouter un podcast, c'est comme varier ce que je vais écouter. Puis des fois, quand j'ai la tête bien remplie, je pars surtout avec rien. Puis là, c'est comme soudainement, à un moment donné, tu tombes d'une zone d'accepter aussi, pas trop souvent, là, parce qu'à un moment donné, il faut work through, d'accepter peut-être une fois de faire, Chris, j'étais supposé faire 2 heures, j'ai fait 1h45, j'ai quand même fait 1h45, esti. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas rien fait. Je l'ai fait pareil, j'ai pas fait ce qui était supposé, mais là, aujourd'hui, j'ai peut-être atteint ma limite. Parce que moi, ma crainte, c'est, j'en connais des histoires du monde qui ont fait un marathon, puis après ça, ils ont fait, c'est terminé. J'en ai plein mon cul. C'est fini, esti. Ouais. Puis moi, je veux pas me rendre là, tu sais. Fait que je pense que des fois aussi, moi, il faut que je me retienne, des fois, de faire, hey, prends une journée off. Parce que des fois, je vais être super discipliné, puis là, je work through, je reviens de tourner, je suis fatigué, mais les 3 jours qui suivent, esti, je fais mes intervalles, je fais mes entraînements, mais au fond de moi, je le sais que ce que j'ai besoin, là, c'est de prendre une journée off. Je le sais. Puis la journée off va être plus bénéfique ben oui. que faire mon entraînement prévu. Puis le lendemain, je vais revenir, puis je vais manger les bandes, esti, puis je vais être en feu. Fait que pour moi, c'est tout dans ces zones-là. Tu sais, c'est niaiseux, mais maintenant, ce qui m'aide, des fois, s'il faut que je fasse 2h30 sur le Zwift, je vais trouver un film de 2h30. J'écoute ce film-là. Ces temps-ci, j'écoute des films de football. Ça me met dedans. Tu sais, genre, je me suis retapé Remember the Titans, puis Any Given Sunday, puis Name It. Là, c'est comme... Ah, c'est long, mais drôle! Ouais, fait que... Puis là, ben c'est comme... Ah, ben le film dure le temps qu'il faut. Ouais. Une fois que le film est fini, des fois, souvent, c'est pas rare que je fais... OK, je vais faire un 15 de plus. Tu comprends? C'est comme si là, ça m'a craqué, tu sais. Puis ça, les fois aussi où des fois, quand je suis bien en forme, je vais juste faire un 5 minutes de plus, juste pour dire, asti, j'ai gagné au tabarnak. Je l'ai eu. Chris. Juste parenthèse, moi, pendant un moment, c'était l'ouverture de Saving Private Ryan, parce que je me disais, peu importe comment je souffre, asti, je passe sur cette page-là. C'est comme non, puis ça durait 35 ça, minutes. C'est sûr. Toi, tu parlais tantôt, justement, quand il reste 7-8 minutes, puis ça vient te chercher, ben, tu parlais de ta manière, tu disais, tant qu'à finir en marchant, tout ça, mais. Comment ça se passe dans ta tête? Es-tu capable d'avoir un esti de long discours de petit démon? Ouais, moi, je suis capable d'aller vraiment, vraiment loin. Je suis capable de me rendre loin
Genre, c'est un procès total dans ta tête, là. C'est, ah, c'est non, l'épisode non, de Sous. Excuse-moi, je suis capable de me rendre loin dans la douleur ouais. avant d'arrêter. Quand j'arrête, c'est pas... Quand je parlais de DNF tantôt, c'est pas que je suis en douleur complète, c'est juste que je sais que je vais pas réaliser l'objectif que je m'étais mis, mettons. Mais je suis capable d'aller... Tu sais, les marathons que je fais, marathon, c'est vraiment une distance où, ce qu'il y a amené, faut que t'ailles loin, là, si t'essaies de faire un temps rapide, là. Puis je suis capable de vraiment aller loin. Tu sais... Notre 80 kilos là, à Beaumont Ultra, on a fini les deux. Moi, j'ai fini un peu avant Jay, mais lui était pas mal mieux que moi à la fin. Là. Pas vrai? Parce que moi, je m'étais entraîné pas vraiment pour ça il toute poussé, l'année. Là. J'étais allé vraiment à bloc, tu sais, puis j'ai vraiment bien fait. J'étais arrivé 8e, puis c'était comme pour moi, c'est vraiment ouais. bon ça. Il était très sauf rapide. Que j'étais sauté. Sauté, man. Si je me fais la réaction de Jay, ça va. Il va avoir quelque chose d'extraordinaire. En anglais, j'ai regardé Jay, j'ai dit Jay, peut-être que toi, tu veux continuer ta famille est là, c'est vraiment cool, mais j'ai besoin d'un livre jusqu'au Airbnb exact. Parce que là, en ce moment, je vais m'endormir dans mon assiette. Je suis pété raide. Pour puis, vrai. Ah, j'étais vraiment sauté. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la motivation. Ben, la confrontation de la douleur. Mais juste avant, parce que vous parliez de la motivation en hiver, puis le Zwift, puis ces affaires-là. Moi, j'aime vraiment ça m'entraîner. C'est vraiment une passion. Puis comme là, j'ai pas mon trainer avec moi. Là, puis Zwift, j'aime vraiment ça. Là, mais j'ai pas mon trainer avec moi à Montréal. Mais j'ai hâte de revenir à Québec pour rembarquer dessus. J'ai hâte à mon entraînement demain matin. J'ai hâte à ça. Puis les matins où est-ce que je me réveille puis ça me tente pas d'y aller, c'est que mon corps me dit que je suis trop fatigué. Parce qu'il y a aucune raison sinon que ça me tenterait pas de m'entraîner tellement j'aime ça. Ben, c'est reconnu que la journée off... tente pas, ouais. Quand ça te tente pas, quand tu t'appréhendes un entraînement, c'est qu'il y a quelque chose dans ton programme qui fonctionne pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose des fois relié au fait que si tu commences à t'entraîner trop tôt en intensité par rapport à ton... À ton événement. Ouais, par rapport à ton événement. Ouais. Mais souvent, c'est ça. T'sais, mettons, moi, mon Ironman, je m'étais inscrit un an d'avance. Puis j'ai commencé officiellement à m'entraîner. Mon Ironman était fin août. J'ai commencé à m'entraîner pour ça en janvier. Mais là, je parle, la première fois, je vais à la piscine. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, genre, c'était en décembre. Ah, ouais, moi, j'ai commencé dès septembre. Ouais. Non, non. C'est, fait que, puis de comme. Puis évidemment, je me suis entraîné là, pendant 8-9 mois. Mais, tu sais, comme, de ne pas avoir peur d'être smooth un peu au départ. Parce que si tu pars, encore une fois, dans l'entraînement, j'ai l'impression que si tu y vas trop vite, trop fort, ça se peut que, si. En juin, t'es déjà tanné, puis ton événement est dans 2 mois. Ça arrive souvent que le monde dit ça, ils sont comme quasiment en burn-out dans burn-out avant ton entraînement. Quand c'est le temps qui arrive beau pour t'entraîner, au printemps, là, tu devrais avoir l'énergie pour t'entraîner, parce que t'es comme, tu t'entraînes trop full à l'intérieur aussi. C'est, mentalement, c'est comme un 2 heures à l'intérieur, ça équivaut quasiment, mentalement, à 6 heures dehors. Quasiment, t'entraîner à l'intérieur. Fait. Toi, avec les pros, parce que si on parle, nous autres, de la bataille psychologique, t'sais, de gens qui font ça pour se surpasser, s'amuser, comparer, peu importe, se tester, aller puiser, tout ça, l'aspect pro. Toi, moi, les gens, je les connais pas autour de moi. Là. C'est rare que tu recroises les mêmes faces. Toi, tu les croises. Ça joue ici, là. Fait comment tu fais pour aller chercher ici ta zone, ici, Monsieur Miyagi, wax on, wax off, là, je suis seul dans ma tête, puis... Mais ça reste, tu sais, je suis pro techniquement parce que je race avec les pros, mais tu sais, je suis loin de ceux qui vivent de ça. Tu sais, moi, je vois quand même le triathlon comme un. Vous aussi, de la misère à accepter les compliments, t'as-tu depuis le début, tu sais? Avez-vous le même psy, peut-être que vous devriez travailler sur la. T'appelles-tu Dude aussi? Tu sais, ça, c'est, je veux tout le temps garder ça le fun. Je pense justement le COVID m'a aidé à réaliser que c'est le fun qu'on peut faire du triathlon, puis que genre, je peux pas vivre de ça, mais. Un peu on the side, dans le fond, que genre, j'ai vraiment réalisé que je suis une gratitude de pouvoir faire du triathlon. Fait que là, ça m'a fait mieux apprécier les triathlons que je fais, l'entraînement, tout ça. Puis j'ai un peu, tu sais, ce que tu disais des fois, la difficulté à être pas fier de toi, mais tu sais, comme apprécier ça. Puis des fois, justement, récemment, j'avais fait un podcast. Puis là, c'était comme quasiment mon podcast, c'est quasiment je parlais à un psy, là, dans le fond. Là. Puis là, je réalisais que comme, parfois, mes meilleures courses, c'est que je me mets tellement, puis comme tu parles un peu aussi de... Le dialogue que tu as avec toi, des fois, c'est tellement un dialogue négatif parce que c'est ça qui te permet de pousser. Mais là, des fois, mon
mon dialogue moi-même avec moi est tellement négatif durant la course que je finis la course, mais j'ai encore ce mindset-là, puis je suis comme, bon, j'ai fini. Ouais, bravo, mais Antoine, laissez faire que tout le monde a appelé. Tu vas gagner des comptes. Ah ouais, ta natation, ouais. Ça m'a allaité, mon tabarnak. Ouais, bike en crisp, là, ton bike, ça m'a allaité, cours en crisp, là, t'arrives à la fin. Ton Ironman, ça m'a allaité, t'es une marde. Voilà. Puis même, ça fait bien été, mais t'as encore. T'as pas eu le switch dans ta tête, dans le fond, là. Puis là, c'est comme, 2 ans après, tu réalises, ah, dans le fond, ça a bien été, cette course-là. Pourquoi je suis. C'est pas comme ça pour tout le monde. Ceux qui nous écoutent, là, tu traînes pas la douleur pendant 2 heures. Puis non, tu peux être fier de ça. Hey, merci d'avoir été avec nous autres. Ceux qui sont pas tannés, on continue sur Patreon parce que j'ai une couple de questions à rafale parce que je veux savoir si on a vu la même affaire sur certaines choses. Sinon, à la gang, on se voit la prochaine fois. Mais pour ceux qui restent, et voici, ça commence, go on. Et mané, pendant que je nage, j'ai asti manqué de pet, asti un whack où est-ce que je lâchais un cri, mais à m'étouffer, puis asti. Je nageais, puis à un moment donné, j'ai fait, si j'ai vu quelqu'un au fond, si j'ai fait, asti, il y a un cadavre, tabarnak. Puis, asti, mais je pensais que je venais tomber sur un cadavre, asti, il était vraiment au fond, puis il me regardait, asti, je voulais mourir. C'était le caméraman, asti, en scuba, tabarnak, avec ses palmes, asti. Une chance qu'il était au fond, je l'aurais fucking slugué, man. Asti, j'ai jamais aussi mal filé de ma crise de vie, man. C'est, tu capotes, là. La panique. Vous ne pensez pas qu'il va voir ça, là? Mais non. Mais, il m'avait dit qu'il y en aurait. Il l'avait dit à tout le monde qu'il y en aurait. Sa caméra. Finalement, lui, sur image, il a sûrement juste... La pire. Asti, man, je te jure. Asti, j'aurais aimé ça être une pieuvre, aussi, puis fucking pisser dessus, asti, tu sais, mec. Et de votre côté, toi, monsieur pro, il est arrivé une couple d'affaires, aussi. Mais l'affaire la plus absurde qui m'est arrivée, c'est pendant le Canada Man. En vélo, je pense à environ à 90 kilos. Tu sais, il y a le train là-bas, là. Puis j'ai arrêté pendant comme 15 minutes par non. le train. Non, pendant ben la non, run-man. Non. Non. Là, j'étais comme là. j'ai pissé, j'ai genre mangé full. Mais c'est full. Mais ils enlèvent plus le temps. Est-ce qu'il y a le temps sur ton temps total ou ça compte comme un obstacle puis ça fait partie du. Ouais, ils ont enlevé le temps. En fait, ça tombait bien parce qu'il y avait le gars que. Mais je suivais une auto dans le fond, puis là, il y avait les caméramans, tout ça. Fait qu'il y avait plein de monde qui était là pour ça. Fait que là, ils ont. C'était mal. Sur le coup, j'étais comme. J'ai commencé à s'arrêter. Je me disais, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais en fin de compte, ils ont juste arrêté le temps. Puis t'en profites pour faire un ravito. Mais oui, j'ai extrêmement bien entendu. Mais ça fuck le pareil, non? Mais oui, après, t'attends pas de repartir, mais ça te fait une belle anecdote, là. Calisse, tiens. Toi, PH, c'est quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a mis en tête? Moi, j'ai fait 3-10 km de natation quand j'étais plus jeune. Puis, c'est long, ça. C'est long, là, c'est long. Puis les deux premiers, ça a vraiment bien été. Le troisième, ça a vraiment, vraiment pas bien été parce que c'était les nationaux... 2 semaines avant, puis moi, mes épreuves, j'étais un sprinteur en natation, fait que mes épreuves, c'était le 100 mètres d'eau. Fait que, tu sais, je m'étais entraîné pour les nationaux, c'était vraiment ça mon objectif principal. Le 10 km, c'était juste, je m'étais inscrit parce que c'était au lac Saint-Jean, puis tu sais, je viens de Chicoute. Puis, fait que, je m'inscris. C'est pas le même endroit, mais continue. Non, je viens de Chicoute, on avait un chalet. Pour un gars qui est notre job et qui sait pas. Moi, j'ai il y a juste eux autres qui ont le droit de pas faire la différence entre Saguenay et Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai la cred parce que je viens de Chicoute puis on avait un chalet à Saint-Rite-Taillon. C'est ça. Quand je dis je viens de Chicoute, international du lac. Du Saguenay, il est malade. Saint-Rite-Taillon, c'est malade. Que, ouais, c'est fou ce coin-là. Mon premier demi-marathon de toute ma vie. Une journée où je pars à courir. Fou, par hasard, je te coupe. Je pars à courir puis on me dit « Ah, va courir dans le parc de la Pointe-Taillon. » Tu sais. 3 kilomètres. Puis comme je rentre dans le parc, je croise une dame qui marche puis je la souris puis je continue. Puis visiblement, elle est rapide parce qu'elle m'a rattrapé. Genou haut, grande foulée. Ouais. En talon haut aussi. Vous avez échappé ça, monsieur. Elle me tape sur l'épaule. Je suis comme, oui, elle est comme, je suis la maman de PH. Je suis comme, tu me niaises. J'ai croisé la mère de PH à mon premier demi-marathon. Parce que cette fois-là, je savais pas que j'allais courir un demi. Je suis juste rentré dans le parc et j'ai trippé bien raide. Puis finalement, je voulais pas que ça arrête. Fait que j'ai couru mon premier demi. Puis je vais toujours m'en rappeler. C'est puis fou, c'était cette journée-là. Ouais, parce que. Ah, c'est une belle leçon d'humilité aussi, tu sais. Ouais, exact. Bon, on a assez jasé. J'ai OK, ciao aussi, tu sais, madame, ça continue et de. Et t'es un alpha fly. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est que. Puis on va finir là-dessus. Il y a quelque chose, des fois, qui peut être pas confrontant, mais moi, un des moments les plus loufoques, où ce que je me dis, parce que, tu sais, des fois, les gens qui savent, tu sais, ce qu'on fait des fois, il y en a qui nous comprennent, puis ils sont dans le même bateau que nous autres, puis d'autres qui vont dire pourquoi. Je m'entraînais encore une fois Tremblant. C'était pas le train du Nord, c'était pas loin, là, en tout cas, de la piste asphaltée. Puis je m'en venais, puis il y avait un chevreuil. Oh. Qui était quand même, je te dirais, une cinquantaine de verges faciles. 50, tu sais, il a juste traversé, ou en mètre. Mais tu sais, je suis un fan de football, fait que c'est. Cinquantaine de verges. En verge. Cinquantaine, le style de verge. Et il fallait qu'on aille là. Hein.
50aine de mètres. On va y aller en mètres. Mais il fait juste inverser l'espèce de petit truc de. Puis servir de bord, genre, il va s'en aller, tu sais. Il va partir, tu sais. Il t'a reconnu. Ben, qu'est-ce qu'on a fait une photo ensemble, si, non, il en a parlé assez. Je l'ai vu, il m'a vu son Facebook, c'était vraiment le fun. Je suis la mère de PH. Mais sans niaiser, il s'est juste reviré, puis il m'a regardé. J'étais devant lui, puis il a pas bougé. Même distance, quoi, est-ce qu'il y a PH? Puis il a vraiment deux juste verges. Fait ça, mais je te fucking jure, deux verges. Deux verges de chevreuil. Mais sans niaiser, le regard, j'ai tellement parti à rire parce que j'avais l'impression que ma gueule genre, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais pourquoi je cours dans la vie. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux qui me court après. T'sais. Mais vraiment, je suis parti à rire parce que j'avais l'air je me sentais jugé par un fucking chevreuil. Est-ce que je t'ai coupé pour ton 10 km de nage? Oui, excuse-moi. Ah, oui, ben, on est reparti. Juste, l'anecdote, c'est que j'étais vraiment pas prêt pour ça. Fait que ça a vraiment mal été. Après, j'étais deuxième après 7 kilos. Puis j'ai fini comme 26e. Là, t'sais, puis je me suis fait dépasser par toutes les filles. Puis pas que les filles étaient pas vite, mais j'étais meilleur que les filles habituellement. Là, t'sais. Puis à ce moment-là, quand ça commençait à vraiment mal aller, j'ai vraiment eu une envie de chier. Puis t'es dans un speedo, un fast skin. Fait que c'est les maillots jusqu'en bas. Puis là, tu peux comme pas faire grand-chose. Fait que tu fais juste détacher ton maillot tranquillement. Puis là, t'es pogné dedans. Mais non. Tu chies dans le lac Saint-Jean. Puis là, tu prends un verre d'eau. Là, tu bois. Puis là, tu fais comme si c'était en ravitaillement, mais t'es en train de chier dans l'eau. Là, tu remets ton fast skin. Puis tu repars. Le monde qui dépasse. Le monde qui dépasse. Puis à ce moment-là, je commençais. C'était ma soeur qui était dans le bateau pour me nourrir. Puis tu sais, il y a comme une chaloupe qui te suit. Puis elle commençait à dire qu'à ce moment-là, je répondais plus quand elle m'appelait. Je répondais plus à mon nom, tu sais. J'étais comme, je commençais à être en hypothermie. Puis là, il fallait que je chie. J'étais défoncé, ben red. Vraiment, je l'ai fini. Puis quand j'ai fini, quand je suis venu pour sortir, il a fallu que deux gars me prennent, me soulèvent de terre, me mènent à l'infirmerie parce que j'étais parti complètement. C'est beau, le sport. Non, mais c'est long, parce que, tu sais, la seconde, vous avez dit oui, vous acceptez l'invitation pour le podcast. Tu sais, puis j'aurais pu faire ça quasiment individuellement, aussi, parce que Dieu sait que tout le monde ici a tellement de choses à raconter. Puis là, tout le monde dit oui, j'étais excité. Puis j'étais comme, man, j'ai le temps de le faire, puis ça va être le fun, comme de fait. Puis tu dis toujours un podcast, bon, comment ça va finir? Je pense que marre d'hypothermie, c'est pas mal dur à battre aussi comme histoire. Mais non, mais j'espère que les gens qui nous ont écoutés, je veux dire. Mais Chris, c'est une leçon de vie comment apprendre à chier dans en un fait, lac. C'est... Ouais, mais tu vois, je suis content qu'on termine. Parce que Jay, il a pas compté son histoire, mais j'ai... OK, allons-y! J'ai...